Se avec propre sang pour racheter, pour que nous-mêmes tout nous cap bien la sang. Christ eleison. Pour que l'un bon colis, bon Dieu, oui, t'es rad sale qui sous nous, mais t'es rad faveur, rad l'esprit en rad la grâce là. Kyrie eleison. Kyrie
Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, qui nous donne ta vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, mais aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, mais aux hommes qu'il aime. Tous ceux qui nous divisent, tous ceux qui gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Cantique nouveau, tout le merveille bon Dieu fait, lui-même qui sauve la main, alléluia, alléluia, avec pouvoir lui qui saint, alléluia. Alléluia, alléluia. Fais fête pour tout le monde, tendez. Alléluia, alléluia. Chantez, chantez, chantez. Pour bon Dieu, remettre nous lui-même. Chantez pour les sous-guitares. Chantez sur tout instrument, chantez sous trompette à cornes, alléluia, alléluia, devant remettre la kiwa, alléluia. Chantez, 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 pour bon Dieu remettre nous, lui-même qui wa sous tout taille, chantez pour mes belles fêtes. Chantez, pour bon Dieu remettre nous, lui-même qui voit sous
Peace be with you, beloved brothers and sisters, on this 26th Sunday in Ordinary Time, today the last Sunday of the month of September. Today again, we are challenged by the scripture readings. We find the parable of Lazarus and the rich man. I'm sure you have heard it before. There was a rich man who ate plenteously every day and who lived a good, comfortable life, a luxurious life. And there was Lazarus, a poor man who was covered with sores and was sitting at the foot of the table of the rich man who simply ate from the scrum that falls from the table. This is the only. And even dogs had mercy on Lazarus. They came and licked his wounds. But the rich man never paid attention to Lazarus. And then something happened. Lazarus died. And he was brought to the bosom of Abraham. And eventually, the rich man died too, and went to a place of torment. You may say, but what did he do? He didn't do anything wrong. He did not kick Lazarus. He did not insult Lazarus. But his sin was that he ignored Lazarus. And now there is a twist to the story. While the rich man was in a place of torment, he saw at a distance Lazarus with Abraham. And he said, Father Abraham, send Lazarus to bring at least a drop of water on my tongue. And Abraham told him, there is no way one can come from where he is to your place. So you see, what is stressed here is that the lack of love, the absence of love, is a sin. So loving your poor neighbor is not something that you may like to do, something nice. It is an obligation. Because once you are a Christian, you are part of a body and you are responsible not simply for yourself or your immediate family, but you are responsible for the poor around you. Sometimes we tend to think that the only bad things that brings us to hell are the sins of the flesh, or pleasures, the sexual pleasures of the flesh. This is pointing out that attachment to money and the selfishness that comes from attachment to money is also a very serious sin. And there is something interesting at the end of the story. When the rich man said, at least send Lazarus to my brothers who are still alive and to have the same lifestyle that I used to have, warn them to change their behavior. But Lazarus told him, they have the prophet, they have Moses. If they don't listen to Moses, even if a dead man comes back to life, they will not listen to him. And this is a reference to Jesus who is risen from the dead and who speaks to us, and people still don't listen to him. So let us learn a lesson that we have an obligation to love, because the God we love is a God of love. So we, the followers, the disciples of that God, must also be men who know how to share. Men of love, may God bless you. Frères, sœurs, mes frères, c'est pour bon Dieu béni. Je vous dis à nous arriver dans le 26e dimanche ordinaire et nous jouer une belle histoire, Lazare avec nègre riche. Supposez nous songer histoire ça. C'était un nègre riche qui mangeait bien chaque jour. Et puis, t'es qu'on malheureux, il est Lazare, quoi il était couvri avec toute qualité maligne. Il était chita en bataille. Et seule salle de joigne pour manger, c'est timiette, petit crasse qui se tombait sous table. À ta chien, t'es gain pitié pour lui, puis ce chien, t'es vin léché, t'es vin niché, pleli et malingue. Et puis un jour, Lazarus mourit, il y allait
poitrine Abraham, sous que Abraham. Et puis, inévitablement, on joue maigrissant. Mourito, il y allait, le côté gain, en pile souffrance, en pile tourment. Il le gel et loué Lazarus avec Lazare, avec Abraham. Il dit, papa Abraham, voyez Lazare, pour ton goût de l'eau sous l'angle. Abraham dit, hélas, pas de moyen pour un monde sauter côté Lazare pour arriver à la caille, parce que il y a un fossé infranchissable. Alors, on lui a dit, mais qui péché n'est-ce qu'il fait? Il n'est pas jouer, il n'est pas même mettre Lazare dehors. Puis chez lui, c'est que lui ignore, lui fait comme s'il n'est pas, ouais, n'est-ce pas rien. C'est son leçon pour nous. Et des fois, nous comprenons que c'est le désordre, la chair seulement, que bon Dieu nous fâche avec nous. Mais gros problème avec richesse, le bagage où il est l'orgueil, où remet, pour tête bas, le bagage où il est égoïste. C'est pour rompre avec l'égoïsme. C'est pour comprendre que le pour gagner ou pas responsable, peut-être pas en seulement avec la famille, mais pour responsable, n'est pas vrai tout. Nos responsabilités sociales que nous pas gagner doit nier, et leur nier, c'est un péché grave devant bon Dieu, qui fait qu'on apprend pour bon Dieu nous en son bon Dieu remet. Et que si nous dit nous sommes disciplés, il faut nous gagner remet pour ça qu'on souffrir tout. Amen. C'est pour bon Dieu bénigne pour que qu'on l'agit et que nous pas tant qu'on est riche à chercher bien fait tes pannes seulement et on a oublié monde qui a souffrir. C'est pour bon Dieu bénigne.
Thank you.